La course automobile a beaucoup évolué depuis le premier Grand Prix au début du XXe siècle. Les voitures sont plus rapides, les circuits plus grands, les pilotes surentraînés et dévoués à leur sport. Mais c'est ici qu'on revient toujours, car cela reste la victoire la plus prisée du circuit. Oui, il s'agit bien du Grand Prix de Monaco. L'extraordinaire circuit de Monaco est resté quasiment inchangé depuis sa course inaugurale de 1929. Les voitures les plus rapides vont nous faire vibrer dans les 19 virages après le casino et le long du front de mer. En un tour de 3,3 km, vous traversez un pays entier, mais attention, les barrières ne sont jamais à plus de quelques centimètres. Et alors que les pilotes se concentrent sur le départ en se demandant comment sortir entier de Sainte-Dévote, je ne peux pas m'empêcher de me demander si la voiture de sécurité sera de sortie aujourd'hui, Nicolas Martin. Et ça ne serait pas pour vous déplaire, ou je me trompe? Statistiquement, la voiture de sécurité a fait son apparition dans environ 80% des Grands Prix de Monaco. Et cela malgré l'incroyable travail des commissaires que vous voyez souvent soulever les voitures juste après avoir levé les drapeaux jaunes. Mais les équipes prévoient toujours le pire scénario et ils s'assureront quelques marges de manœuvre dans leur stratégie. Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour le Grand Prix de Monaco. Cette fois-ci, donc ça y est, on y est, c'est la course. On va de ce pas aller voir la grille de départ, donc les deux Red Bull qui partent devant, Lewis Hamilton et Raikkonen. Derrière on retrouve Sébastien Vettel et Rosberg qui est passé un petit peu à côté de ses qualifs à 32 millièmes. Ça a été très serré les chronos, n'empêche, sur ce tracé. Romain Grosjean qui part à la 9ème place. Et ensuite on voit un peu la grille qui se déroule devant nous. On part donc du coup à la 18ème place puisque donc il y a eu des pilotes pénalisés qui ont été rétrogradés sur la grille. Et donc on va se diriger vers la piste pour faire les réglages de pré-course, c'est-à-dire la stratégie pour les arrêts au stand. Donc notamment on va partir sur une stratégie d'overcut, très clairement, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à rester le plus longtemps possible en piste pour ensuite changer les pneus et mettre des pneus ultra soft ou super soft dans les derniers tours pour pouvoir rallier l'arrivée dans les meilleures conditions et essayer de perdre le moins de temps possible. Donc là on va partir sur une stratégie comme ça, sachant que comme le disaient les présentateurs, il y a souvent le safety car qui sort pendant les courses à Monaco puisque le circuit est un circuit où on ne peut quasiment pas doubler, les rails sont tout le temps proches des voitures. Et du coup, il n'est pas évident forcément de bien arriver à s'extirper d'un mauvais pas. Et souvent, la voiture de sécurité est obligée d'intervenir pour évacuer les voitures qui sont immobilisées en piste, que ce soit pour une panne ou un accrochage. Espérons en tout cas qu'on ait des safety cars, puisque de toute façon, en partant en fond de grille, on ne peut qu'espérer ça. Et aussi de prendre un bon départ. On voit que la météo va être sèche. Hein. Néanmoins, on va avoir des nuages pendant la course. Pas de pluie annoncée, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Et on va partir maintenant pour la course avec cette stratégie qui est établie et pour donc le tour de formation. Alors je vous rappelle, un dimanche soir, vous me retrouverez avec nos compères des Puputes, des Piello et Jeff Harvick pour le débrief des Puputes du Grand Prix de Malaisie à partir de 21h30 en live sur Twitch et YouTube. Donc soyez au rendez-vous, à mon avis vous ne serez pas déçus, et puis ce sera l'occasion pour chacun d'entre vous de poser des questions en rapport bien sûr avec le Grand Prix de Malaisie. À vos youtubeurs préférés, et donc je compte sur votre présence. Et donc oui, de temps en temps on fera le débrief en live avec Jeff et des Piello, et on refera une session aussi en multi avec les abonnés. Vous avez beaucoup apprécié en tout cas ce multi qu'on avait organisé cette semaine avec Jeff et des Piello, et puis le best-of que j'ai posté sur la chaîne quelques jours après. Alors oui, effectivement, j'ai fait un best-of, il n'était pas indispensable de mettre l'intégralité de la vidéo qui faisait quand même 2 heures à la base, donc c'était pas vraiment indispensable. Je dis ça parce qu'on m'a posé la question pourquoi ne pas avoir mis la vidéo intégrale, je trouvais pas ça forcément très pertinent. Donc voilà, on fait le tour de formation, on essaie de chauffer les gommes au maximum, ce qui n'est pas forcément évident ici à Monaco, où on est vraiment au ralenti tout le temps. On peut voir que nos adversaires partent avec des stratégies différentes de la nôtre, bien évidemment, ils sont tous partis en ultraviolet, surtout pour les pilotes de fond de grille. Je pense qu'il y a quelques-uns qui ont dû partir en super soft.
tout cas, ce qui va être difficile et qu'il va falloir faire attention, ça va être le départ. On arrive ici sur le port. La fameuse zone avec la chicane de la piscine. On a souvent eu des accrochages hein, d'ailleurs. Ici la dernière chicane avant la rascasse. Où on a vu Verstappen l'année dernière qui avait pulvérisé sa Red Bull sur les rails. Où c'est cette année? Alors moi la mémoire en ce moment ça fait 12. Vous voyez m'excuser en tout cas si mes références formulianistiques sont pas au goût du jour. On a vu qu'il y avait des pilotes IA qui s'étaient loupés parce qu'ils étaient déjà en place, que ce soit Nasser et Wehrlein. Et donc le départ va être donné, les feux s'allument et les feux s'éteignent, ça y est c'est parti, le départ est donné. Mauvais départ hein, pour la Toro Rosso de Sainz hein, qui est complètement resté sur place. Magnussen qui a manqué de se l'encadrer. Ici, je profite ici en bas de Sandevoort pour monter. Il y a eu un accrochage dans le premier virage, j'ai vu des voitures s'immobiliser. Ça a été un départ déjà assez surprenant puisque, ah ça y est, safety car de sortie, le safety car est sur la piste et c'est déjà dès les premiers mètres de piste, de course, une voiture de sécurité qui sort. On a vu des voitures qui se sont écrasées sur le rail donc à la rascasse, en bas de Sandevoort. Donc on va regarder le départ, hein, on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc on voit le départ aussi de Vettel hein, qui a été laborieux puisqu'il est complètement resté collé sur la piste, y compris Sainz. C'est un peu surprenant du pilote allemand. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Grosjean qui a fait un tout droit ici, qui est allé droit dans les pneus et derrière Alonso qui lui a emboîté le pas et qui s'est retrouvé coincé. Regardez-moi cette IA de merde qui arrive même pas à se dégager. Grosjean qui essaie de faire une manœuvre pour arriver à se décoincer de ça et Alonso qui ne bouge pas d'un poil. On va regarder la vue. À partir de la voiture de Romain Grosjean justement. Et on voit que ça a un petit peu secoué dans tous les sens. On a un aileron déjà qui est parti au niveau des Sauber derrière. Et on voit là c'est complètement l'embouteillage. On a les deux, on a bien fait, on empêche de prendre l'intérieur, de s'extirper, puisque regardez, on a donc Alonso qui est coincé, on a les deux manoirs qui sont coincés, les deux Renault aussi. Du coup, bah, ça nous a propulsé de la 18e place à la 12e. Déjà une bonne opération de fête dès le départ et ça c'est plutôt cool. Donc on a un petit peu abîmé l'aileron dans le tour de derrière le safety car avec la voiture qui était devant nous et on voit donc parmi les cassés de ce départ on a Sainz hein, qui a malheureusement laissé son aileron avant traîner. Et qui a été imité par la Sauber et puis par Grosjean aussi, hein, qui est venu réparer sa voiture. Donc tout ce petit monde ressort des stands. Et on a encore un accrochage et on a Hamilton au tapis et Verstappen qui s'est retrouvé aussi en vrac. Alors qu'est-ce qui s'est passé là aussi? Alors là on est à la poursuite, on est sur Lewis Hamilton, hein, on est donc à la poursuite de Verstappen. Et que s'est-il passé quand les pilotes IA ont rejoint la safety car qu'il a ici en haut de Sandevoort? Eh ben, je sais pas, Verstappen s'est arrêté, il s'est fait emboutir par Hamilton, et du coup, Hamilton au tapis, Verstappen non, mais en tout cas, on a le pilote de la Ferrari, donc on voit ici, on arrive prudemment, hein, d'ailleurs, on essaie de faire attention de ne pas s'encadrer une voiture, du coup, encore deux places de gagner, on se retrouve même 9e, même plus que deux places de gagner, d'ailleurs. Puisqu'on a récupéré encore de 3 places hein, du coup au total. Et donc un départ qui est déjà, pour le moins qu'on puisse dire, déjà un sacré départ sur cette course. C'est vraiment une course de folie qui est en train de se dérouler devant nous. On est au deuxième tour et on est déjà à la 9e place et on est sous safety car. Donc en plus stratégiquement c'est plutôt pas mal parce que tant qu'on est derrière la voiture de sécurité, bah, les pneus on les use moins. Et on se retrouve maintenant dans le tour 4, on aura fait 3 tours avec le safety car, pas plus pas moins, et le safety car va rentrer dans ce tour. Donc on fait attention à la relance, ça va être chaud hein, parce que derrière on a du monde, et Cyril nous a donc rejoint sur la course pour prodiguer ses bons conseils.
Et donc le départ est redonné, ça y est, la meute devant est lâchée, tout le monde s'enfuit et moi derrière, il faut que je fasse attention. Mais en même temps, j'ai un avantage parce que regardez qui c'est qui est derrière, c'est la Renault de Magnussen. Et la Renault de Magnussen, ouais, au niveau performance, elle vaut pas la Haas. Alors du coup, elle va pouvoir me faire office de bouchon pour retenir un petit peu tous les pilotes IA qui sont derrière. Et ça, c'est plutôt cool. Alors là, on revoit quoi? Qu'est-ce qu'on revoit ici? On revoit que donc la Red Bull de Verstappen a eu une crevaison. Crevaison à l'avant gauche pour Verstappen au moment de la relance. Malheureusement pour le pilote hollandais, c'est un début de course à oublier. Hein. Clairement, là, il se retrouve non seulement pris dans un accrochage avec Hamilton, et puis il est obligé aussi de prématurément de rentrer au stand pour aller changer le pneu avant gauche pour une crevaison, le pauvre. C'est vraiment, alors là, il a vraiment pas de chance. Il avait échappé au premier accrochage, il avait échappé aussi à l'accrochage avec Hamilton, et puis là il se retrouve du coup non seulement complètement dernier, mais là le fameux overcut, le pauvre, il se retrouve complètement dégagé de la course. Hein, là il est dernier, complètement dernier. C'est quelque chose qu'on peut facilement tenter à Monaco. C'est même le. Alors là j'ai mis cette caméra parce que je trouvais ça magnifique, la vue hélicoptère de cette partie du circuit. Magnifique cette caméra, on voit tout le tracé, la piscine, le port, la tribune vers le restaurant La Rascasse, l'entrée des stands, et puis on boucle ce tour. Et donc on rentre dans le sixième tour maintenant, et toujours donc avec Magnussen derrière, et Hülkenberg devant. On va essayer de pas trop se faire décrocher par les pilotes de tête, et c'est donc pour l'instant Vettel qui mène la course, et donc on est dans le tour 13 maintenant, et dans le tour 13 de nouveau voiture de sécurité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Une nouvelle fois une voiture de sécurité au tour 13, il y a eu vraisemblablement un accro. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est bon pour le Delta. Alors on n'a pas les images malheureusement, on n'aura pas pu savoir ce qui s'est passé. Donc on a déjà deux abandons qui sont à déplorer par rapport à encore un d'ailleurs, Arianto qui est hors course. Donc là la Manor qui est hors des clous. Donc c'était ça le deuxième abandon. Donc on a noté donc Hamilton et Arianto pour l'instant au niveau des abandons. Moi non plus. Et on va encore faire quelques courses derrière la voiture de sécurité. Quelques tours, pardon. Kevin, il est rentré au stand. Et donc, Cyril qui prend un petit peu des nouvelles par rapport aux voitures qui sont en piste. Et effectivement, derrière, Magnussen est rentré au stand pour faire son arrêt. Et devant, on a les pilotes qui en profitent aussi pour aller changer leur train de pneus, ceux qui étaient partis en ultraviolet. Il reste en piste que les pilotes qui sont partis en super soft, donc Vettel, Hülkenberg et Massa. Donc là on va rejoindre le safety car. On va voir si cette fois-ci il va y avoir de nouveau un incident alors qu'on a un aileron par terre dans la montée de Sandevoort. C'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va faire plaisir au commissaire tout ça. Checo, il a dû rentrer au stand, je pense aussi. Et regardez qui c'est qui est derrière, le grand accidenté du premier tour, c'est notre coéquipier Romain Grosjean qui d'ailleurs est rentré au stand et qui est reparti, j'avais pas fait attention, mais qui est reparti en ultraviolet. Étrange cette stratégie de la part de Haas, puisque ils auraient pu tout à fait partir sur une stratégie différente et mettre par exemple des pneus soft et puis rallier la course de bout en bout. Ça aurait pu être une grosse option pour le podium, en tout cas pour Grosjean, parce que là clairement en faisant son arrêt très tôt dans la course, il aurait pu jouer l'overcut mais large, et en plus sachant qu'il y a encore maintenant un safety car, mais qui sait, si ça se trouve il aurait pu faire tenir ses pneus jusqu'au bout. Tout va bien pour la température des pneus, parce qu'en termes d'usure on est au 14e tour et on a 14% d'usure, donc ça fait 1% par tour potentiellement. C'est, on pourrait dire qu'à 1% par tour, on aurait pu aller rallier l'arrivée, voilà, sachant que la voiture est encore un peu lourde, elle est chargée en essence. Donc ça aurait pu le faire pour Grosjean. Quelle vraiment erreur de stratégie.
de la part de l'écurie As alors que Hülkenberg rentre au stand pour effectuer son arrêt. Et donc on se retrouve à la troisième place derrière Massa et Vettel. C'est assez invraisemblable, me direz-vous, mais force est de constater que ces événements en piste sont très favorables pour nous en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Moi qui appréhendais ce Grand Prix de Monaco, alors attention, hein, nous nous emballons pas parce qu'on n'est même pas à la moitié de la course. Mais n'empêche que, avec tous ces événements et ces deux safety cars qui sont déjà sortis en même pas 15 tours, ça nous permet en tout cas d'avoir une stratégie en partant avec les pneus soft, de faire peut-être un gros coup ici à Monaco, et ça serait juste magique. Non. Alors on se retrouve un peu plus tard, hein, on est dans la voiture de Sébastien Vettel, on est dans le restart, donc on va vivre le restart à bord de la voiture de Sébastien Vettel. On est derrière le safety car, Vettel qui met des petits coups de volant pour chauffer ses pneus, et regardez le safety car hein, qui éteint ses lumières et qui prend la fuite, et Vettel qui retient un petit peu tout le monde. Pour la relance, attention, derrière on en a un qui n'en perd pas une miette, c'est la Red Bull de Ricciardo. C'est une Toro Rosso d'ailleurs, c'est peut-être même une Toro Rosso qui est remontée avec les jeux des arrêts au stand. Et la relance est faite, ça y est, Vettel qui littéralement dépose tout le monde. Et nous, on est resté un petit peu au contact de Massa. Alors c'est bizarre, on avait une Red Bull dans les rétroviseurs de Vettel, alors qu'on est aussi dans le tour de relance. Hein. Et là c'est Massa qui est devant nous. Là c'est encore un bug. Non, j'ai pas inversé des images, hein, vous inquiétez pas. Mais force est de constater que c'est assez étrange. C'est fait, mais là on est vraiment aux avant-postes et c'est assez chaud de garder le contact avec Massa et Vettel qui sont super soft eux. Pendant ce temps-là, le circuit est en train d'un petit peu de sombrer dans les nuages. Espérons qu'on ne prenne pas la pluie avant la fin de la course. Et Romain Grosjean qui rentre au stand juste après le restart, ce qui est assez étrange. Eh ben tant mieux, ça veut dire que ses pneus étaient morts. Et donc on retrouve Jenson Button derrière nous maintenant. Donc on a un petit train qui s'est formé derrière nous. On avait Vettel qui caracole en tête, puis Belgum. Et puis Massa, et puis donc après nous, on est là, on a un petit groupe maintenant qui nous a rejoint derrière avec Massa, je vois une Force India, il y a Raikkonen. Et il va falloir qu'on arrive à gérer tout ce petit monde. De toute façon, on reste concentré sur ce qui se passe devant, parce qu'il y a très peu de possibilités de doubler. Monaco, c'est le seul circuit. Il vaut mieux être le chassé que le chasseur. Alors, comme le dit Cyril, hein, vaut mieux être le chassé que le chasseur. N'empêche que c'est difficile d'avoir des voitures qui sautent dans les rétroviseurs et de garder un œil sur la piste, sur ce qui se passe devant. On a toujours peur d'avoir une surprise, surtout venant de l'IA, hein, sur les jeux vidéo de F1 signés par Codemaster. Ce sont pas des humains, donc on peut pas vraiment leur faire confiance. Et ils sont toujours tentés d'aller nous faire une action kamikaze, nous rentrer dedans ou alors nous pousser à la faute, ou même eux se mettre en danger. Et du coup, c'est vrai que c'est assez perturbant de les avoir dans les rétros, parce que bah, comme on peut pas leur faire confiance, on a toujours tendance à aller regarder ce qui se passe derrière. Tu as regardé la météo avant la course? Et pas de pluie.
ça va. Tant qu'il n'y a pas de pluie, on est tranquille. Là, on a atteint le cap de la mi-course maintenant. Et on a Button qui se montre de plus en plus pressant derrière, et c'est normal. Parce que nous, avec nos pneus soft, on a un peu moins de motricité, on est un petit peu moins agile que sa voiture avec des pneus super soft, en plus des pneus qui sont normalement plus neufs que les nôtres, puisqu'il s'est déjà arrêté, hein, Button, pour aller effectuer son changement de pneus. Alors du coup, la fenêtre d'arrêt au stand qui était prévue approche, et avec Cyril, on se dit que vu l'usure des pneus, on est à 20 tours et on a 19% d'usure et 22, enfin entre 22 et 24 à l'arrière, on va se permettre de faire un relais plus long, et donc on arrive au tour 25 maintenant. Et on a toujours, enfin on a plus Button derrière qui s'est arrêté au stand pour aller changer ses pneus, et on se retrouve par contre avec Perez maintenant qui est à nos trousses. Donc Perez qui était dans le groupe de poursuivants avec Button. Alors effectivement, ça fait un petit bouchon derrière, on a tendance un petit peu à retenir toutes ces voitures, hein, mais comme on le sait à Monaco, si on veut doubler, on double, et on double quand on peut. Donc voilà, ça fait peut-être un petit peu bouchon, mais on fait comme on peut. Et là c'est sûr que pour le coup on va se retrouver avec toutes les voitures qui sont derrière les unes derrière les autres et derrière moi en fait. Ça c'est l'impression que ça donne sur la minimap en tout cas, mais il y a quand même des petits écarts entre toutes ces voitures. Alors ça rentre au stand encore, hein. Il y a des pilotes qui passent leur dernier train de pneus pour aller jusqu'au bout. Là on rentre dans le tour 26 maintenant. Avec Checo dans les rétros. Alors on a vraiment l'impression avec le ciel qui charge comme ça que la pluie va arriver. Ça fait toujours un petit peu peur, surtout sur ce circuit. Hein, si en plus il se mettait à pleuvoir, alors là. Je pense que ça serait Holiday on Ice l'affaire. Alors attention ici, hein, la zone du tunnel aussi qui est une zone rapide où les pilotes peuvent tenter à la spi et au freinage de faire l'intérieur à la chicane du port, mais non ça va. Pas de manœuvre extrême de la part de Perez. Attention là on s'est un petit peu loupé à la réaccélération, Perez est dans nos échappements. Non ça va, ça reste tranquille derrière. On coupe un petit peu la chicane. Angel, est-ce que tu as demandé à Jeff qui sont tes adversaires en piste? Et là, on va revenir sur une action en piste. D'ailleurs, on a une Manor qui est en train de prendre l'avantage sur la Toro Rosso de Sainz, hein, d'ailleurs. Et Sainz qui essaie de garder l'avantage à l'intérieur et qui finit en tapant le rail et qui finit en tête à queue. Et derrière, ça s'arrête net. Il y a une Renault qui est à l'arrêt. Exactement. Et finalement, ça repart. Pas de voiture de sécurité en tout cas, juste un drapeau jaune qui a été tendu. Ah, ils se sont probablement arrêtés, ils ont dû ressortir dans le trafic. Si c'est le cas, c'est bon pour nous. Et pour l'instant, regardez sur devant nous, donc on avait Massa, et Massa s'est arrêté au stand, donc on est deuxième derrière Vettel. Vettel qui est très très loin devant, puisque d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est. Où est-ce qu'il est Vettel? Il est dans Sainte Dévote. Il a pris un tour à une voiture. Sergio, il est en quel pneu? Alors, on s'est un petit peu loupé. On est passé à l'extérieur encore une fois ici à la piscine. Sergio qui fait l'intérieur et qui s'abîme sur le rail à l'extérieur, à la chicane de la piscine. Et oulala, regardez derrière sur la minimap, ça s'emboîte les unes dans les autres les voitures. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Perez?
Alors nous on était à l'intérieur, on a bouffé la chicane, mais lui il est allé un petit peu trop fort à l'extérieur, il est allé taper le rail et derrière, eh ben, il y a eu encastrement de voitures et toutes les... Oh là là, ce merdier, regardez-moi ça, toutes les voitures qui viennent se collisionner ici dans la chicane de la piscine, dans la zone de la piscine. Alors là on a tout le monde qui est à l'arrêt, on a Grosjean qui a encore pris une fois de plus dans l'incident, on a Massa qui est en train d'essayer de se sortir en faisant des manœuvres... désespéré, on a Alonso qui abandonne, Grosjean qui abandonne, on a Rosberg qui a abandonné aussi, on a Bottas qui a réussi à repartir, sans dommage. On a l'autre Alonso qui était reparti mais qui a fini dans le mur, il s'est explosé aussi. Et du coup, pas de safety car, ah bon, mais c'était très étrange. Bon, en cas de safety car immédiat, c'est box, on passe en super donc, temps. Pas de safety car malgré le carambolage énorme qu'il y a eu ici. Sinon, on reste sur la stratégie. C'est super étrange. Et derrière, on se retrouve donc du coup avec toujours la deuxième place d'ailleurs. Mais il reste plus que 13 voitures en piste. C'est juste hallucinant, regardez-moi ça, c'est tous ces débris sur la piste. Et là, il n'y a même pas un safety car, il n'y a rien. Cherchez pas, c'est normal. Il y en a déjà eu deux, vous en aurez pas trois. Et il n'y a pas de safety car. Même Cyril n'en croit pas ses oreilles. Et donc on est deuxième. Avec pourtant, Nasser derrière. J'avais entendu parler, moi, d'une mise à jour concernant le PSG. On a 20 secondes de retard sur Vettel. Et il reste 13 voitures en piste. C'est clair. Assez hallucinant tout ça. On est à quel tour là, Angel? Ok, donc prépare les ultrasoft. On va rentrer à la fin du prochain tour, au 30e. Et donc Cyril qui donne ses consignes. Changement de stratégie, on partira sur des ultrasoft. Et on s'arrête au 30e tour pour faire les 9 derniers tours en sprint, en mode qualif. Parce que là, clairement, on a avec Nasser derrière, j'imagine que c'est le groupe Nasser-Magnussen, on a la possibilité d'aller chercher un podium, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. On peut se le permettre, de toute façon il a une large avance, pardon. Alors ce qui serait intéressant, ce serait que le groupe qui soit derrière s'arrête en même temps que nous. Ce qui permettrait de les avoir à portée de main. Donc on a une chance là de boire du champagne sur le podium. Alors bien évidemment j'ai réglé aussi le fait que j'ai demandé au stand de ne pas réparer les ronds avant puisqu'il ne m'handicape pas plus que ça, le petit incident que j'ai eu, le petit dégât que j'ai sur les ronds ne m'handicape pas plus que ça pour aller toujours bon, hein. Pour conduire quoi. Donc du coup on va se permettre de continuer avec les ronds abîmés, ouais. Et en passant les ultra soft à la fin de ce tour. Et entrer dans le 30e là. Ok, box. Et pendant ce temps-là, Vettel qui est en train de signer des chronos qualif. Et toujours ces débris ici, hein, dans la zone de la piscine. On va espérer que les mécanos de chez Haas ne vont pas faire dans leur froc. Allez, c'est parti, on rentre dans les stands. Le groupe Nasser est en train de passer, Nasser, Ericsson, Magnussen, et on a Verstappen qui est aussi en train d'arriver, donc Verstappen qui n'a pas abandonné finalement, hein, qui se retrouve avec tous ses déboires malgré tout plutôt bien placé. Et on sort des stands. En espérant qu'il y ait assez d'avance sur tous ces mecs. Attention, ça va être chaud avec Verstappen qui arrive ici dans l'entrée de la ligne droite de départ arrivée. Et on ressort juste devant le pilote hollandais. Et sa Red Bull. Combien l'arrêt? Donc maintenant, va falloir que les pneus se comportent bien et puis surtout qu'on arrive à vite revenir sur les pilotes qui sont devant. C'est bien.
parce qu'on est cinquième, on a les ultra soft, les pneus des pilotes qui sont devant sont des soft et ils vont à mon avis durer. Bon ben on va descendre sur notre et on a Ricardo qui est encore en piste, hein, je croyais qu'il avait abandonné et non, il vient de faire son arrêt. Il est 13ème, le pilote de la Red Bull, et d'ailleurs il fait les drapeaux bleus mais il nous gêne. Et ça a profité à Verstappen parce que Verstappen du coup il est revenu dans nos échappements. Et là je me loupe ici au casino et du coup il en profite en prenant l'intérieur. La fusée Verstappen est passée. Impossible de retenir le pilote de la Red Bull. Obligé de finalement de le laisser passer, de le laisser filer. Et Jeff qui me casse les pieds toutes les deux secondes à me demander si je veux changer de stratégie. C'est assez relou. Et en plus, du coup, on est un peu emmerdé parce que devant, Verstappen a réussi à passer. Derrière, Ricciardo, lui aussi, qui est plus rapide que nous, bah, malgré qu'il a le drapeau bleu, du coup, il essaye de nous doubler. Mais dès qu'il nous double, il ralentit. Alors, ça fait qu'on fait un petit peu, on se gêne l'un l'autre. Et c'est assez perturbant parce qu'une fois de plus, je me retrouve avec une voiture dans les basques. Tout va bien, t'arrives à maîtriser le gamin? Donc là, Cyril, je lui annonce la mauvaise nouvelle, hein, que le fameux gamin est passé. Merde. Et malheureusement, j'ai pas pu faire grand-chose. Et là, du coup, Ricardo qui repasse et qui lève le pied, forcément, à cause du drapeau bleu. Hein, donc on passe et je passe et tu me repasses. Et donc, il nous reste 5 tours maintenant pour aller chercher le groupe Nasser. Alors bon, vous me direz... 5 tours c'est jouable, hein. Les tours à Monaco sont courts et puis on voit que petit à petit on se rapproche de ce groupe, surtout Verstappen en tout cas. Bon, ça fait rien, maintiens ta position quand même. Et même si de toute façon on revient sur ce groupe, je crois qu'on sera au pied du podium. Il faut arriver à passer les 3 voitures. Ah, ça pourrait faire troisième. Ça pourrait faire troisième si on revient sur les 3 pilotes. Là, normalement, si tu fais pas d'erreur. Mais bon, après, il faut doubler à Monaco. Hein. Ça, c'est pas gagné. Hein. C'est pas tout d'aller vite sur la piste. Il reste combien là? Là, il va rester 4 tours à la fin de celui-ci. Et va falloir aller les chercher, les pilotes. Et surtout arriver à les doubler sans faire de bêtises. Pendant ce temps-là, le soleil est en train de ressortir sur Monaco. La piste va monter en température, donc du coup les pneus vont être un petit peu plus efficient, efficaces. Et on se retrouve dans le 37ème tour maintenant, et Verstappen a opéré la jonction sur les pilotes qui sont devant. Et Ricardo est toujours en piste, mais il est un petit peu plus loin. Il s'est fait passer par Bottas d'ailleurs. Il a dû abîmer ses gommes. Et du coup, devant, alors là, je fais une grosse bêtise. Devant, on a Verstappen qui est arrivé au contact avec tous les pilotes qui sont devant. Et du coup, là, il nous reste 2 tours, enfin un tour et demi, pour aller chercher ce groupe, cette grappe de voitures. Alors, ça va être tendu, hein, parce qu'il va falloir aller les chercher. Ça, c'est pas fait. Et ils sont là à la sortie du tunnel. Ils arrivent dans la chicane. Combien? Ah, ils sont juste là, hein, c'est... C'est rageant. Hein. Mais là, ça serait vraiment une grosse erreur d'aller se mettre dans le rail en essayant d'en faire un peu trop. Alors j'essaie de faire des détours aussi rapides que je peux le faire. Ça restait quoi, 2 tours? Et là, on va rentrer dans le dernier tour maintenant. Donc cool, zen, hein, déjà là. Et Cyril qui essaie de me temporiser pour pas que je fasse de conneries. On va pas nous mettre l'auto dans la glissière dans le dernier tour. J'allais le dire. Et pendant ce temps-là, Sébastien Vettel s'empare de la victoire sur ce Grand Prix. Là, on a quasiment opéré la jonction sur Verstappen. Ah, il nous aurait peut-être manqué un tour, je pense. Mais regardez derrière aussi, c'est Bottas, hein, qui est revenu aussi avec ses grands sabots.
comme on le dit, foutez Bottas, ben lui il les a mis ses Bottas et il est venu à fond. Et on tape le rail encore une fois, attention, les multiples erreurs de pression dues à la pression et au stress, puis un petit peu à la fatigue aussi. Et là on arrive dans le dernier virage, la dernière épingle, et on est vraiment à la porte de ce podium. Mais ça y est, on en a fini et on va faire une très belle sixième place, sachant que nos rivaux ont abandonné pendant la course. On a vraiment été opportunistes, on a vraiment eu de la chance parce qu'il y a vraiment deux safety cars et puis des accidents à gogo, ça a été vraiment tendu. Et donc on fait la sixième place, on marque des gros points ici. Nos rivaux ont été mis au tapis et ça c'est vraiment le top parce que là pour le coup ça va nous faire du bien au championnat. Ah puis peut-être dommage aussi la petite erreur au casino. Bah, en tout cas, on n'a pas gagné le jackpot au casino, mais on a remporté une grosse mise. Hein. Et donc Vettel qui s'impose à Monaco avec, aussi surprenant cela puisse paraître, les deux Sauber sur le podium, Nasser donc, et Ericsson. Et puis, si tu veux, le fait que t'aies pas mal de voitures qui se sont auto-éliminées, ça nous a bien aidé aussi. C'est carrément, c'est carrément hallucinant en fait, ce podium. Qui nous a été plus que favorable. Donc résultat à la fin de la course, Sébastien Vettel qui s'est imposé ici devant les deux Sauber, Magnussen qui finit quatrième. Donc cinquième Verstappen, derrière on a Bottas, Wehrlein, Palmer, Hülkenberg, Massa, Sainz et Ricciardo donc à la 13e place. C'était la dernière voiture Ricciardo les voitures arrivées à la fin puisque toutes les autres ont abandonné. Déjà c'est un bon résultat avant Montréal et puis tu l'as fait sur un circuit que t'es pas particulièrement à l'aise, donc ça prouve que t'es capable de faire de grandes choses quand tu le veux. Il suffit d'y croire. Et parce que c'est dans ces moments-là où le mental il est super important. Et donc Cyril qui prodigue ses bons conseils et puis son soutien sur un Grand Prix où il savait que j'étais loin d'être le plus à l'aise. Et vraiment un grand merci à lui encore une fois pour son soutien, pour être présent à chaque fois. Et pour le temps passé à chercher les petits réglages et les petits setups qui vont bien. Donc on a vu le champion du monde des pilotes hein, avec pas grand changement. L'écurie As qui descend un petit peu à cause de la grosse perf des Sauber hein, qui marque énormément de points sur cette course. Sachant que nous, une fois de plus, on ramène qu'une seule voiture à l'arrivée. Et donc voilà, on va faire le bilan comptable de ce week-end avec les points R&D. Et donc ça nous fait un total de 557 points R&D à dépenser. Et donc on a encore un petit peu de chemin à faire avant d'arriver aux 2000 quelques points qui va nous être nécessaire pour faire la suite de développement de la voiture. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a validé le défi du rival, donc ça c'est cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour la suite du championnat. Portez-vous bien, bon week-end à tous, bon Grand Prix de Malaisie et à dimanche soir pour le débrief des puputes. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.